je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va se maquiller en fait avec des produits à petit prix. Donc il y a vraiment des pépites dans cette vidéo là, comme quoi enfin vraiment le prix ne fait pas la qualité. On peut trouver des merveilles dans toutes les marques et dans toutes les petites marques surtout. Donc aujourd'hui je vous ai sélectionné en fait toutes les petites pépites que j'ai dans ma collection que j'adore et que je peux pas du tout m'en passer d'eux. Et donc du coup j'ai créé ce petit look là, je vais réussir à parler. Mais du coup aujourd'hui j'ai fait vraiment un look neutre et très glowy, et la prochaine fois ça sera en fait un look plus coloré pour comme ça qu'on pourra un petit peu plus satisfaire un peu tout le monde. Si je me trompe pas, tous les produits qui sont présentés dans cette vidéo là ils sont à moins de 10 €. En tout cas ça sera peut-être dans les alentours de 10, 11, 12 €, mais pas plus que ça. C'est vraiment fait des produits que je trouve qui sont juste merveilleux et qui valent tout le détour. Et c'est pour ça que ça me tenait en fait à cœur de faire cette petite vidéo là, parce qu'on peut trouver vraiment son bonheur à tout prix. Je vais vous laisser avec la suite du tuto. Le tuto je l'ai fait en fait en voice-over, comme ça que ce sera un petit peu plus facile, compréhensible et bien un petit peu plus rapide, on va dire ça comme ça. Au lieu de vous étaler maintenant la vidéo sur 30 minutes, je vous l'ai étalé environ sur 10-15 minutes. Et du coup j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec le tuto, à plus. On va tout de suite commencer avec le primer, le Face Studio de Maybelline. C'est vraiment un primer qui est pas cher et franchement il est vraiment très bien pour combler les pores. Si vous cherchez vraiment un primer qui n'est pas cher, je vous le conseille à 1000% celui-ci. On va passer directement au fond de teint, donc je vais appliquer celui de Catrice, c'est le HD Liquid Coverage. J'ai pris la teinte 40 et franchement c'est vraiment un fond de teint qui fait un teint en porcelaine, je vous le conseille. Il coûte seulement, si je ne me trompe pas, environ 5 € et... franchement il tient toute la journée, c'est un truc de ouf ce fond de teint là, je le porte presque tous les jours celui-ci. Pour l'anti-cerne, j'utilise l'anti-cerne L'Oréal Infaillible, c'est vraiment l'anti-cerne qui est très bien, son embout épais comme le Shape Tape. Il est couvrant, il est un petit peu trop clair pour moi mais franchement il est très bien, il file pas dans le réduit, il assèche pas le contour des yeux, il est juste magnifique celui-ci. Ensuite on va contourer un petit peu le visage avec un produit en crème tout simplement. Je vais utiliser le Master Sculpt de Maybelline, il est vraiment très bien, j'aime pas trop le côté clair de ce truc, donc du coup j'utilise seulement l'autre côté qui est vraiment très facile à estomper. Et je vais utiliser en fait mon Beauty Blender pour tout d'abord en fait estomper mon anti-cerne que j'ai appliqué, notamment sur la zone T pour illuminer le visage. Comme je vous ai dit, cet anti-cerne là il est vraiment très bien, il est très couvrant. Je l'utilise également en tant que base à paupières, vous allez voir par la suite. Mais il compte très très bien les cernes, il reste fiché toute la journée. Il a une tenue incroyable cet anti-cerne là. Et pourtant il ne coûte pas très cher. Franchement les anti-cernes de L'Oréal et les fonds de teint aussi de L'Oréal, ils sont très bien, je vous les conseille vraiment. On va switcher maintenant l'autre côté de l'éponge et je vais commencer à estomper en fait le contouring que j'ai mis en fait sur mon contour du visage et sur le nez. Et il s'estompe vraiment très facilement, il laisse vraiment un teint en fait très, enfin pas du tout épais, c'est ce que j'aime en fait. C'est très rare de trouver dans les marques petit prix des contourings qui sont pas épais, qui font vraiment, enfin voilà quoi, ils se font très bien à la peau. Pour la poudre, ça fait des années que j'utilise la All About Matte de Essence. Donc en gros, celle-ci, c'est la version waterproof. Ça va faire peut-être, je crois, mon 10e tube. Donc je l'utilise en fait avec mon éponge et j'applique tout simplement de la poudre pour fixer mes cernes, mon teint, etc. Et pour le réchauffer un petit peu, je vais également utiliser encore un produit de Essence. Donc celui-ci, c'est le Jumbo Bronzer Adventure Await, un truc comme ça. Et franchement celui-ci il est très bien, il est aussi, enfin voilà quoi, c'est une poudre bronzer qui est très fine, qui est très très bien pour réchauffer le teint. Franchement il est juste magnifique celui-ci, ça fait très longtemps que je l'utilise. Pour vous dire la vérité, il dépasse tous mes produits bronzer que j'ai de Natasha Denona, etc. Donc il est vraiment très bien. Pour le blush, je vais utiliser celui de L'Oréal, donc c'est la gamme Blush Sculpt, qui en gros, il faut les mélanger les trois. Si vous cherchez un blush irisé, je vous conseille vraiment de prendre celui-ci, il est vraiment très bien, il est très pigmenté, il s'estompe très facilement. Il laisse un glow aussi magnifique et franchement pas aussi à un amas de poudre que vous voyez vraiment, il se fout très bien la peau. Et maintenant, on va commencer à l'highlighter, c'est la partie la plus intéressante, je trouve. Pour le highlighter, je vais utiliser le Stick Strobing de Maybelline. Et celui-ci, en fait, il peut s'appliquer aussi sur en fait, une texture de poudre. Et en fait, il va laisser vraiment, encore une fois, enfin, voilà, quoi, un effet de strobing, comme si c'est un effet de miroir glace. Et j'aime vraiment l'utiliser en tant que base pour mon highlighter. Parce que par la suite, je vais prendre un autre highlighter qui va être aussi pigmenté. Mais celui-ci, franchement, il est juste sublime. Les produits Maybelline, ils valent vraiment le détour niveau highlighter, bronzer, etc. Ils sont vraiment très fins, ils sont vraiment très subtils, en fait.
et pas cher encore une fois vu que c'est le but de la vidéo. Et pour le highlighter, je vais utiliser en fait la petite palette Eyes and Face de Essence, et je vais utiliser en fait le highlighter à l'intérieur. Comme vous voyez, je le creuse, donc vraiment je l'apprécie vraiment de tout mon cœur. Je vais l'utiliser, vous allez voir en fait comment est-ce que il est tellement tellement lumineux, il est tellement brillant, il a un petit effet nacré pailleté à l'intérieur. Il est juste, voilà quoi, c'est vraiment une pépite que j'ai dans ma collection. Dès que je sais pas quel highlighter utiliser, je prends cet highlighter là. Et regardez-moi juste cet highlighter, c'est juste un truc de fou, je l'adore. Il laisse vraiment un effet miroir, glacé, bonne mine. Et en plus, il est pas cher, genre cette palette là, en tout et pour tout, elle coûte 3€. Donc franchement, elle est juste sublime cette palette là, j'adore. Maintenant on va passer aux yeux. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser en fait l'anti-cintre que j'ai utilisé tout à l'heure pour une base de paupières, parce que je trouve que ça fonctionne aussi bien tout simplement. Voilà, donc je vais l'appliquer avec le Beauty Blender et ensuite on va passer au fard à paupières. Pour le fard à paupières, je vais utiliser la palette de Primark. Donc celle-ci, c'est la Wild Love. Franchement, les palettes Primark, je suis obligée de le dire, ce sont des fards qui sont tellement bien, tellement pigmentés. Ils se travaillent facilement et ils coûtent seulement 6€. C'est un truc de fou. Enfin, je suis désolée, je les adore. Donc là, je vais utiliser la teinte, si je ne me trompe pas, c'est Edge. Non, pardon, c'est pas la Edge, c'est la Mirage. Donc en gros, c'est un fard qui est assez brun, brique, orangé à l'intérieur. Donc je vais l'appliquer au coin externe, en fait. Et je vais tout doucement en fait venir, enfin regardez-moi cette pigmentation, c'est un truc de fou de se dire que c'est du maquillage de Primark. Franchement là-bas aussi ils ont des pépites dans leur cosmétique. J'aimerais tellement vous faire une vidéo absolument tous les produits, enfin voilà quoi, faire un maquillage complet de Primark, parce qu'ils valent vraiment le détour. Donc j'applique tout simplement le fard en fait au coin externe et je commence à l'étirer vraiment vers l'extérieur vu que j'ai une paupière qui est tombante. Donc du coup, enfin voilà quoi, je fais un petit peu, au lieu de faire un lifting tout simplement, et eh bien j'étire mon fard à paupières jusqu'en haut. D'ailleurs j'aimerais aussi vous faire une vidéo, oui j'ai plein de vidéos à vous faire, une vidéo sur maquiller des yeux avec des paupières tombantes. Là maintenant je vais prendre la teinte Edge comme je vous ai dit. En fait là je vais commencer en fait à estomper vu qu'ils sont en fait sous la même tonalité. Ils ont aussi un orangé les deux à l'intérieur. Et donc du coup je la prends pour commencer à estomper, à la ramener aussi au niveau de l'intérieur de l'œil. Puis je vais reprendre la teinte Mirage et je vais commencer en fait tout simplement intensifier le maquillage et à le construire tout simplement puisqu'on a beaucoup estompé. Et là j'ai pris un pinceau qui est totalement propre et j'estompe en fait les bords, etc. Que tout ça sera fondu ensemble. Et je m'attaque aussi au ratil. Donc pour le ratil, je fais en fait la même chose. Je vais appliquer le Mirage d'abord et ensuite je vais appliquer le Edge pour estomper en fait les bordures. Et là arrive le clou du spectacle, parce qu'en fait cette palette là, elle a comme les fards un petit peu de Huda Beauty. Ce sont en fait des paillettes, du pigment glacé qui est pressé, qui est juste magnifique. J'ai même pas humidifié mon fard pour vous dire, regardez-moi comment est-ce qu'il est lumineux. C'est un truc de fou, alors que ça c'est seulement un pinceau. Alors imaginez-vous au doigt, enfin voilà quoi, ça fait vraiment un éclat de luminosité. Enfin j'adore tellement ce fard. Donc celui-ci, si je me trompe pas, c'est le Modeste. Il est juste sublime. Et pour intensifier un tout petit peu ce make-up là, j'ai pris le fard noir de la palette qui n'est pas aussi noir que ça, mais il s'appelle Corrupt, un truc comme ça. Donc j'en ai pris vraiment un tout petit peu avec un pinceau aussi propre. Après je vais venir pour dégrader, mais c'est juste pour intensifier, non pas rendre le maquillage aussi noir que ça. Et pour le liner, je vais utiliser un liner de Beauty Care qui ne se trouve pas en France en tout cas. Je ne sais pas comment, peut-être sur Amazon il peut se trouver. Ce sont vraiment des liquid liners qui coûtent seulement 2€ et ça fait des années que je les utilise, notamment le noir. Mais là j'ai utilisé en fait le marron parce que voilà quoi, je voulais un petit peu un look un peu plus soft et non pas trop maquillé, même si, façon de parler. Pour le mascara, je suis désolée, je suis pas du tout ce genre de personne à dépenser des 20€ dans des mascaras. J'utilise que les mascaras Maybelline. Peu importe quel mascara vous allez prendre de Maybelline, qu'il soit waterproof ou non waterproof, ou peu importe quelle gamme, tous les mascaras de Maybelline, ils valent vraiment le coup. Ils coûtent moins de 10€ et franchement, ils font des cils de ouf. Les cils tiennent, ils sont aussi noirs, ils sont pigmentés, ils ne bavent pas. Enfin vraiment, ce sont des mascaras que ça fait des années que je les utilise, notamment en fait le Colossus, je pense que ça s'appelle comme ça. J'utilise depuis des années, alors celui-ci il est encore plus magnifique.
Et pour terminer, pour les lèvres, j'avais envie d'incruster un petit peu la marque Sanana Beauty, puisqu'en fait, voilà quoi, ça fait un moment qu'elle a sorti sa rouge à lèvres. Je ne sais pas où le truc s'y met, mais en tout cas, sa rouge à lèvres se vend à Carrefour pour, si je ne me trompe pas, 10€. Et franchement, c'est la meilleure texture. C'est un petit peu comme du Huda Beauty, sauf que c'est du Sanana. Bref, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. En tout cas, je vous ferai d'autres vidéos dans ce genre de style de marque pas chère. Mais l'autre fois, ça sera en fait du coloré. Donc voilà, on se dit à la prochaine. À toutes!